Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui nous allons faire ensemble cette adorable petite lapine avec sa jolie petite robe au crochet. Donc alors pour faire cette petite lapine, donc j'ai utilisé une pelote de Carina blanche et pour celle-ci, puisque comme maintenant j'aime bien un petit peu varier les couleurs, donc celle-ci c'était une violet foncé. Et donc là pour la présentation du tuto, je vais la faire en violet clair, d'accord? Donc toujours en Carina, hein. Donc une pelote de chaque, ça suffit largement. Ensuite, on va avoir besoin d'un tout petit peu de rose pour broder le nez. Donc sinon, j'ai utilisé le crochet 2,5 mm Clover, une aiguille, une paire de ciseaux, le compteur de rang, les anneaux marqueurs et j'ai utilisé une paire d'yeux de sécurité 7 mm. Et on va avoir également besoin donc de la ouate et de nos épingles. D'accord? Donc voilà pour le matériel nécessaire, je vous mettrai les liens dans la description sous la vidéo comme d'habitude. Donc là maintenant on va commencer donc le petit lapin avec la tête. Donc hop, je défais ma pelote. Voilà, donc là hop c'est bon. Je prends le crochet, je prends l'anneau marqueur, le compteur de rang et c'est parti pour notre lapin. Donc on commence par la tête, avec le fil blanc, on fait le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Donc déjà, je vais couper un petit peu ce bout-là. Je vais quand même long. Voilà. Donc pour le deuxième rang, on va faire nos 6 augmentations. Donc on n'oublie pas les augmentations. C'est toujours 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 5, on va faire 6 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. Donc à la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Pour le rang 6, on va faire 6 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la cinquième maille. À la fin du rang 6, on a 36 mailles serrées. Pour le rang 7, on va faire 6 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la sixième maille. Donc à la fin du rang 7, on a 42 mailles serrées. Pour le rang 8, on va faire 6 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la septième maille. À la fin du rang 8, on a 48 mailles serrées. Pour le rang 9, le dernier rang d'augmentation, on va faire 6 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la huitième maille. Voilà, donc à la fin du rang 9, on a 54 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 10 à 21, on va travailler normalement sur les 54 mailles serrées. On ne fait plus d'augmentation, on travaille tout droit. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc, je vous laisse travailler du rang 10 au rang 21 et on se retrouve juste après pour continuer la tête ensemble. Et voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 21. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les yeux de sécurité. Donc alors les yeux de sécurité, on va les installer entre les rangs 14 et 15. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ça va être entre ces deux là, donc on va en mettre un ici. Le deuxième espacé de 8 mailles. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on met l'œil dans le trou suivant, dans le neuvième. Hop, on met les petites bagues.
Voilà. Donc maintenant, on va passer à la suite, donc au rang 22. Alors maintenant, on va partir pour les diminutions. Donc pour le rang 22, on va faire 6 fois au total, 7 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 22, on a 48 mailles serrées. Pour le rang 23, on va faire 6 fois au total, 6 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 23, on a 42 mailles serrées. Pour le rang 24, on va faire 6 fois au total, 5 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 24, on a 36 mailles serrées. Pour le rang 25, on va faire 6 fois au total, 4 mailles serrées à suivre, une diminution. Pour ce qui est du rembourrage, comme d'habitude, vous commencez quand vous en ressentez le besoin, enfin l'envie, d'accord? Donc 4 mailles serrées, une diminution, 6 fois au total. À la fin du rang 25, on a 30 mailles serrées. Pour le rang 26, on va faire 6 fois au total, 3 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 26, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 27, on va faire 6 fois au total, 2 mailles serrées à suivre, une diminution. Et voilà, donc à la fin du rang 27, on a 18 mailles serrées. Là, on a terminé la tête, donc on fait notre maille coulée dans la première maille du rang précédent. On coupe un petit morceau de fil. Hop. Et on va passer notre fil à l'intérieur. Voilà, donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va broder le nez. Alors, donc du coup, j'ai oublié de préciser. Au début de la vidéo, je prends une aiguille un petit peu plus longue pour broder le nez du coup. Donc on prend notre petit morceau de fil rose. Voilà, hop. Voilà, donc du coup, moi j'ai oublié de mettre sur ma petite note à partir de combien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Donc à partir entre les... On va commencer le nez entre les rangs 17 et 18. Alors, on fait comme d'habitude, on prend nos petites épingles et on prévoit... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc ça va être entre ces deux-là, donc avec nos petites épingles. On fait une petite, un petit marquage en fait pour voir où est-ce qu'on veut broder le nez. Alors j'ai fait sur 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc ça va être à peu près comme ça hein, pour faire un joli triangle. Donc on insère notre aiguille dans la ouate. On ressort là où on a mis notre épingle. Voilà, alors hop, on repique l'aiguille et on ressort là où on a notre dernière épingle. Voilà, on repart au milieu, on ressort à la prochaine maille. On repart au milieu, la maille d'à côté, voilà, hop, donc maintenant il reste plus qu'à combler les trous entre les traits qu'on a déjà fait. Là. Hop, donc là déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le petit trait sous le nez, ici. Donc, on repart au milieu.
Voilà, on redescend. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3 rangs. Voilà, on tire doucement. On va mettre notre fil bien droit. On ressort là entre les deux. En fait, vous ressortez entre deux traits au final. Je ne sais pas si on voit trop bien parce que moi, c'est vrai que j'ai le rendu, le retour caméra, ça a l'air d'être hyper blanc, mais je ne sais pas trop ce que ça donne. Des fois, je me rends mieux compte une fois que je fais le montage. Mais en fait, on travaille bien entre deux traits. Vous voyez, on comble bien les petits trous qui nous restent à combler. Et hop, je vais refaire juste un petit trait ici, moi. Voilà, donc là, ça va être mon dernier trait. Donc, je repars au milieu. Je ressors. Je place bien mon dernier petit trait. Voilà. Hop, et pour terminer le travail, le petit nœud, on va venir faire notre nœud de fin, notre nœud d'arrêt, sur une maille arrière. Donc on a les deux brins, brin avant, brin arrière. Donc on pique sur le brin arrière. Oh. Je sais que c'est des choses que j'ai déjà montrées, mais je préfère remontrer. Hop. Et on fait notre petit nœud. On serre bien. Hop. Et on va bloquer notre fil dans la ouate comme on fait d'habitude pour les autres ouvrages. Voilà. On coupe le reste de fil. Et voilà. Donc là, une partie de la tête est faite. On va mettre ça de côté et maintenant on va faire les oreilles. Donc alors je remets mon petit compteur de rang à 0. Les oreilles, on va reprendre notre fil blanc. Et on va commencer par faire notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le deuxième rang, on va faire nos 6 augmentations de mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Pour le troisième rang, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du troisième rang, on a nos 18 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 3 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la sixième maille. Voilà, donc à la fin du quatrième rang, on a 21 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 5, 6, 7 et 8, on travaille normalement sur les 21 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc, je vous laisse travailler du rang 5 au rang 8. On se retrouve pour la suite de l'oreille. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 8. Pour le rang 9, on va faire 3 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 9, on a 18 mailles serrées. Le rang 10, on va faire 2 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 10, on a 16 mailles serrées. Le rang 11, on va faire 2 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une diminution. Et voilà, donc à la fin du rang 11, il nous reste 14 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 12 à 35, on va travailler normalement sur les 14 mailles serrées. Donc une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 12 au rang 35 et on se retrouve juste après pour terminer l'oreille.
Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 35. Pour le rang 36, on va faire deux fois au total 5 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 36, on a 12 mailles serrées. Donc maintenant, on a terminé l'oreille. On va plier en deux et crocheter dans les deux épaisseurs pour fermer l'oreille. D'accord? Donc alors, on rapproche les deux parties. On va piquer le crochet dans la première maille et on va aller dans la maille juste en face. Comme ceci. Ensuite, on fait une maille serrée. On va dans la maille d'à côté. Dans la maille juste en face et on fait la maille serrée. La maille d'à côté, la maille juste en face, ça tombe pile poil. Hein. L'une face à l'autre, ça tombe pile poil, il n'y a pas besoin de chercher. La maille d'à côté, la maille d'en face, on fait la maille serrée et on n'oublie pas la dernière juste ici au bout. Et voilà, donc là on a terminé l'oreille, on coupe suffisamment de fil pour la couture. Voilà, donc j'ai fait la deuxième oreille comme d'habitude. On va reprendre la tête et on va placer les oreilles. Alors, j'avance ça un petit peu. On va placer les oreilles sur le rang 7. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ce sera sur ce rang-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors, donc, on positionne les oreilles. La deuxième. Et voilà, donc on vérifie avant de faire les coutures. Pour moi, c'est bon, donc du coup, je vais faire les coutures. Donc je vous laisse faire également les coutures de votre côté et on se retrouve après pour la suite de notre lapin. Donc alors maintenant, on va préparer les petits nœuds. Donc alors moi, je lui en ai mis deux, mais après, si vous voulez en mettre que un, vous faites que un, c'est vous qui voyez, d'accord? Donc alors, pour les nœuds, on va faire le cercle magique. Donc j'ai pris la couleur violette. Voilà. Donc là, on va commencer par faire deux mailles en l'air. Une, deux. Ensuite, on va faire quatre brides. Une, deux, trois. 4. On va refaire 2 mailles en l'air. 1, 2 et on va faire une maille coulée. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2, 4 brides. 1, 2, 3, 4 et on refait 2 mailles en l'air. 1, 2 et on termine par la maille coulée. Voilà, donc là on va resserrer notre nœud, donc hop, on tire un peu la boucle, on va resserrer le nœud, le cercle magique. Voilà, là on va prévoir une longueur suffisante pour la couture mais aussi pour faire le milieu du nœud, d'accord, ce qu'on va enrouler le fil autour pour former le nœud. Donc après, il n'y a pas besoin de 3 km non plus. Donc là, hop, notre longueur de fil, on la passe dans la dernière boucle. Voilà. Et là, on prend notre longueur de fil et on tourne autour. Bon, du coup, je vais couper ce petit bout là. Je resserre bien mon cercle magique. Je vais couper le petit bout. Voilà. Pour pas qu'il nous gêne. Donc là, on enroule au milieu le nombre de fois qu'on le désire.
D'accord. Donc alors moi j'ai déjà fait le premier nœud, je vais essayer de faire à peu près pareil. Je vais en faire une autre fois. Voilà. Donc, hop, ensuite, je prends mon aiguille. Là, alors, je suis ici. Je vais faire juste un petit nœud d'arrêt à l'arrière. Comme ça, mon fil ne bouge plus après. Et voilà, comme ça, je suis tranquille après pour positionner mes petits nœuds. Donc, je reprends la tête. Je les mets juste au bord de l'oreille, de la couture. Donc vous voyez ici, on a la couture, donc je les mets juste à côté. Là, et le deuxième petit nœud, pareil. Voilà. Donc maintenant qu'ils sont positionnés, je fais les petites coutures. Donc après, il y a besoin de seulement quelques points, c'est pas de la grosse couture. D'accord? Donc je vous laisse faire les petits points de couture et on se retrouve pour la suite. Donc alors maintenant on va passer aux jambes et au corps, mais donc du coup j'ai oublié de vous préciser au début de la vidéo de prévoir en fait de faire une petite boule comme ça à peu près qui tient dans la main, parce que tout simplement moi je vais vous expliquer ma méthode, mais après ça vous n'êtes pas obligé, vous verrez bien comment vous voulez le faire. Mais moi, ce que je fais en fait, c'est que comme la robe, elle est directement comment crochetée, donc sur le corps, c'est qu'en fait, j'avance un petit peu le corps, mais avant d'aller jusqu'au bout, je fais d'abord la jupe. En fait, c'est pour éviter d'en avoir plein les mains, d'accord? Mais après, vous verrez le moment venu comment vous voudrez procéder, d'accord? Donc moi, par contre, je vous montrerai ma méthode. Donc alors maintenant on passe aux jambes. Donc les quatre premiers rangs vont être du pas à pas parce qu'on va travailler autour de la maille chaînette. D'accord? Donc qu'est-ce que je voulais dire? Aussi, là je vais vous montrer comment faire donc la deuxième jambe. La première jambe, vous devrez la marquer, mais je vais vous expliquer au moment voulu. D'accord? Donc c'est parti, on va faire 6 mailles en l'air. Une, deux, 3, 4, 5 et 6. Donc alors, on va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. 1, 2. À partir de cette deuxième maille en l'air, on va faire 4 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Dans la dernière maille en l'air, ici, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ensuite, on va venir travailler de l'autre côté de la chaînette, donc sur les mailles restantes ici. D'accord? On va faire 3 mailles serrées à suivre. Donc, on bloque le fil en même temps. 1, 2, et on va venir faire une augmentation dans la dernière maille. Donc l'augmentation, c'est les deux mailles serrées dans la même maille. Hein. Voilà, donc à la fin du premier rang, on a 12 mailles serrées. Pour le deuxième rang, on va faire une augmentation dans la première maille. Donc là, l'anneau marqueur dans la première maille, on refait une deuxième maille dans la même maille. On va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. On va faire 3 fois au total une augmentation. Enfin, donc du coup, dans les 3 prochaines mailles, on va faire une augmentation. 2 mailles serrées dans chacune des 3 mailles précédentes. Suivantes. Donc première augmentation. Deuxième augmentation. Troisième augmentation, 3 mailles serrées à suivre. 1, 2,
3 et on va terminer par 2 augmentations. Première augmentation et augmentation dans la dernière maille. Donc à la fin du deuxième rang, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire une maille serrée dans la première maille. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. On va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. On va venir faire 3 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Augmentation, donc ça fait une fois, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait deux fois, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait trois fois. Et on repart pour 3 mailles serrées à suivre. Donc 1, 2, 3, et on va terminer en faisant deux fois au total une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Maille serrée. Augmentation dans la maille suivante, ça fait une fois, une maille serrée et une augmentation dans la dernière maille. Donc là, à la fin du troisième rang, ça nous fait 24 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 2 mailles serrées à suivre. Donc 1, 2 et on fait l'augmentation dans la troisième maille. 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, on va faire 3 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, une augmentation dans la maille suivante, donc ça fait une fois, une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 2 fois, une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 3 fois. On repart pour 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3 et on termine par 2 fois 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante, ça fait une fois. 1 maille serrée, 2 mailles serrées. Et l'augmentation dans la dernière maille, ça fait deux fois. Donc à la fin du rang 4, on a 30 mailles serrées. Et ensuite, les rangs 5, 6, 7 et 8, on travaille normalement sur nos 30 mailles serrées. Plus d'augmentation, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 5 au rang 8. Et on se retrouve pour continuer la jambe ensemble. Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 8. Pour le rang 9, on va faire 9 mailles serrées à suivre. 1, je mets l'anneau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, on va faire 6 diminutions à suivre. 1, 2, 3, alors attendez, parce que du coup je suis perdue là. Donc 3, 4, 5, 6, et on va terminer par les 9 mailles restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc à la fin du rang 9, on a 24 mailles serrées. Ensuite, pour le rang 10, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une diminution.
Voilà, donc là, à la fin du rang 10, on a 18 mailles serrées. Donc ensuite, du rang 11 au rang 21, vous allez travailler sur les 18 mailles serrées normalement. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord ? Donc vous allez rembourrer au fur et à mesure que le travail avance et quand vous aurez terminé, vous ferez la maille coulée dans la première maille du rang précédent. Donc vous coupez un petit peu de fil, pas trop, il n'y a pas besoin. D'accord ? Ensuite, vous allez marquer la 7e maille serrée de la première jambe, parce que ça c'est la première jambe et ce que je vous explique c'est la deuxième jambe, d'accord? Donc on marque la 7e maille serrée de la première jambe, ça va nous servir de repère après pour assembler les deux jambes ensemble et commencer le corps, d'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 11 au rang 21, vous marquez bien la 7e maille serrée de la première jambe et on se retrouve après pour faire le corps. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 21 de la deuxième jambe. D'accord ? Donc là, maintenant, on va commencer le corps. Donc on remet le compteur à 0 si vous en utilisez un. Donc, pour le premier rang du corps, on va commencer par faire 16 mailles serrées sur cette jambe-là. Alors, 1, 2, 3, 14, 15... et 16. Donc là, on va prendre la deuxième jambe, donc là où on a le marqueur. Donc on va faire 3 mailles en l'air. Pardon, excusez-moi. 1, 2, 3. On prend ce qui était la première jambe. Donc on insère le crochet là où on avait mis le marqueur. Hop, je l'enlève. Et à partir de ce moment-là, on va faire 18 mailles serrées. 1, 2, 16, 17, 18. Ensuite, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles en l'air. Alors... Une, deux, trois, et on va terminer avec les deux mailles serrées qu'il nous restait donc sur la deuxième jambe. Voilà, donc à la fin du premier rang, on a 42 mailles serrées. Ensuite, du rang 2 au rang 5, on va travailler sur les 42 mailles serrées. Mais comme j'ai déjà eu parfois en commentaire, comme quoi c'était dommage qu'on ne voyait pas le premier rang, enfin donc du coup là ça va être le deuxième rang, mais pour revoir au niveau des mailles en l'air de ce côté-ci, je vais faire le deuxième rang avec vous. Donc là, hop, on va repartir les 16 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 15, 16. Donc là, on retombe au niveau des mailles en l'air de tout à l'heure. Donc on va refaire une maille serrée sur chacune des mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on repart pour les 18 mailles serrées de cette jambe-là. 1, 2, 16, 17, 18. Donc là, on retombe sur les ce qui était les mailles en l'air où on a déjà fait les mailles serrées. Donc on refait nos mailles serrées normalement. 1, 2, 3 et les deux dernières mailles serrées restantes. Voilà. Donc là, c'était le deuxième rang. Donc là, maintenant, vous allez travailler du rang 3 au rang 5 sur les 42 mailles serrées normalement. D'accord ? Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve pour la suite du corps. Nous voilà donc arrivés à la fin du rang 5. Pour le rang 6, on va faire 3 fois au total 12 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 6, on a 39 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 7, 8 et 9, on travaille normalement sur les 39 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc je vous laisse faire les rangs 7 à 9, on se retrouve pour la suite.
Donc là, on est arrivé à la fin du rang 9. Pour le rang 10, on va faire 3 fois au total 11 mailles serrées à suivre une diminution. Donc à la fin du rang 10, on a 36 mailles serrées. Pour le rang 11, on fait nos 36 mailles serrées normalement. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc là, on arrive à la fin du rang 11. Donc on va garder les deux boucles sur le crochet et on va passer au fil mauve. Donc alors moi, j'utilise la pelote normale. Hein. J'utilise pas la petite boule que j'ai préparée juste avant. Donc si des fois vous avez préparé une petite boule... Gardez-la uniquement pour faire la jupe, d'accord? Donc là, du coup, on passe donc au fil mauve et ensuite les rangs 12 et 13, on travaille normalement sur les 36 mailles serrées, d'accord? Donc je vous laisse faire les deux rangs, on se retrouve juste après. Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 13. Le rang 14, on va faire nos 36 mailles serrées, mais on va les faire uniquement dans le brin arrière, d'accord? Donc là, vous voyez, vous avez deux brins, le brin avant, le brin arrière. Eh bien, on va travailler uniquement dans le brin arrière. Voilà. Donc 36 mailles serrées uniquement dans le brin arrière. Donc ensuite, pour le rang 15, on va faire 3 fois au total 10 mailles serrées à suivre une diminution. Donc à la fin du rang 15, on a 33 mailles serrées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment faire la jupe, d'accord? Donc c'est pour ça que j'avais prévu la petite boule juste avant, parce que personnellement, je trouve que c'est plus pratique de travailler un vêtement qui est déjà directement incrusté sur le corps quand tout le corps n'est pas fait et tout rembourré et qu'on en est plein les mains, d'accord? Donc après, par contre, vous faites comme vous voulez. Si vous préférez attendre d'avoir fini le corps, vous finirez le corps et vous ferez la jupe après, d'accord? De toute façon, pour la jupe, c'est pas bien compliqué. Donc du coup, on va travailler maintenant uniquement sur les brins avant, d'accord? Donc alors, hop, je prends ma petite boule, voilà. Donc pour la jupe, on va commencer dans la première maille, on va faire deux mailles en l'air, une, hop, une, deux. Dans cette même maille, ici, on va faire une bride. Donc les deux premières mailles en l'air comptent comme une bride, d'accord? Et à chaque fois, les deux mailles en l'air des rangs compteront pour la première bride, d'accord? Donc là, c'est comme si on avait fait une augmentation de bride, donc deux brides dans la même maille. Et là, dans chaque maille qui se présente, on va faire deux brides, une augmentation de bride, d'accord? Donc je vous laisse faire les augmentations de bride tout le long du rang et on se retrouve après pour la suite. Hein. Voilà, donc là à la fin du premier rang de la jupe, on a 72 brides. D'accord? Donc ensuite, on va travailler sur nos 72 brides normalement. Donc là, on termine le rang en faisant la maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début du rang précédent. Chaque début de rang, on va commencer par deux mailles en l'air. Une, deux, qui vont équivaloir à chaque fois à la première bride. Et ensuite, on va travailler normalement sur chacune des brides qui se présentent. D'accord? Donc, 72 brides au total. Donc ça, moi, j'ai travaillé du rang 2 au rang 5 comme ça. Mais si vous voulez la faire plus longue, vous pouvez la faire plus longue. D'accord? Donc, moi, je vais travailler jusqu'au rang 5 de la jupe. Et moi, je vous retrouve après pour continuer le corps ensemble. Donc là, c'est bon, j'ai terminé la petite jupette. Donc là, on va reprendre le corps où on s'était arrêté, donc au rang 15. Et on avait 33 mailles serrées, d'accord? Donc alors, hop, j'enlève mon petit anneau marqueur. Donc ensuite, pour les rangs 16, 17 et 18, on travaille donc normalement sur nos 33 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 18. Donc par contre, pour le rembourrage, vous rembourrez bien au fur et à mesure que le travail avance. Hein. Donc ensuite, pour le rang 19, on va faire 3 fois au total 9 mailles serrées à suivre, une diminution.
À la fin du rang 19, on a 30 mailles serrées. Pour les rangs 20 et 21, on travaille sur nos 30 mailles serrées normalement. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc ensuite, pour le rang 22, on va faire 3 fois au total 8 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 22, on a 27 mailles serrées. Le rang 23, on va faire les 27 mailles serrées normalement. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc ensuite, pour le rang 24, on va faire... Hop là. On va faire 3 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 24, on a 24 mailles serrées. Le rang 25, on va faire 3 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 25, on a 21 mailles serrées. Le rang 26, on va faire 3 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 26, on a 18 mailles serrées. Et pour le dernier rang du corps, on va travailler les 18 mailles serrées, mais uniquement dans le brin arrière. Hein, comme tout à l'heure, sur le rang 14, on travaille uniquement dans le brin arrière. Et voilà, donc là, hop, on a terminé le corps. On va faire notre maille coulée dans la première maille du rang précédent. Voilà, donc là, on laisse une longueur suffisante pour la couture. Alors, hop. On resserre. Alors, du coup, par contre, avant de coudre la tête, on va faire son petit col. Donc ça, hop, je le mets à l'intérieur, comme j'ai pas complètement rembourré, mais au moins ça va pas me gêner pour faire le col. Donc du coup, je reprends ma petite boule, hein, autant la terminer. Donc là, je pousse ça. On va travailler de la même manière qu'on a travaillé la jupe tout à l'heure, d'accord? Donc on va venir piquer dans la première maille, donc du dernier rang qu'on vient faire, dans le brin avant, d'accord? Donc, hop, on prend le fil. Et de la même manière, donc du coup, on va faire deux mailles en l'air. Une, deux. Et on refait une bride dans cette même maille. Donc là, comme tout à l'heure, on a fait une augmentation de bride. D'accord? Et là, tout le long de ce rang, on va venir faire une augmentation de bride dans chaque maille qui se présente. D'accord? Donc à la fin de ce rang-là, vous aurez 36 brides. Une fois que vous aurez terminé ce rang d'augmentation de brides, vous allez donc faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air, du début du rang-là. Vous coupez le fil et puis vous rentrez les fils. D'accord? Donc on fait ça et on se retrouve pour assembler la tête et le corps. Voilà, donc le petit col est terminé. Donc hop! Je vais le caler pour pas qu'il nous gêne après pour la couture. Donc on n'oublie pas, hein, pour le rembourrage, on essaye de bien rembourrer jusqu'en haut du corps. Il faut que ça déborde un petit peu. Hop. Et la tête, voilà. Donc ça déborde un petit peu pour éviter que la tête ballotte. Donc alors, pour être sûr de mon coup, moi personnellement, quand j'ai les pattes, hein, comme ça, là, pour être sûr que la tête soit pas de travers. Donc, je pose bien mon petit personnage donc à plat, le corps. Et je viens mettre la tête comme ça. C'est vrai que des fois, du coup, ça m'est déjà arrivé. Donc, de bien commencer la couture, j'étais contente. Ah, bah, c'est bien. Et puis, au final, une fois que la couture est terminée, de voir que la tête est un petit peu de travers par rapport au pied. Donc, ça faisait pas terrible. Donc, du coup, j'ai opté pour cette façon de faire. Hop. Voilà, donc là c'est positionné, il ne reste plus qu'à faire les coutures. Donc je vous laisse faire ça tranquillement, on se retrouve pour faire les bras.
Alors maintenant, c'est parti pour les bras. Donc, on va repasser au fil blanc. On va faire le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on resserre. Hop. Pour le deuxième rang, on fait nos 6 augmentations de mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. À la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Pour les rangs 4, 5 et 6, on travaille normalement sur les 18 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 4 au rang 6 et on se retrouve pour la suite du bras. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 6. Pour le rang 7, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une diminution. Donc à la fin du rang 7, on se retrouve avec les 12 mailles serrées. Et ensuite, pour les rangs de 8 à 19, on va travailler normalement sur les 12 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 8 au rang 19. Vous rembourrez bien au fur et à mesure que le travail avance. Et on se retrouve juste après pour la suite du bras. Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 19, donc on garde bien les deux boucles sur le crochet et on passe au fil violet. Hop. Ensuite, avec le fil violet sur le rang 20, on va travailler normalement sur nos 12. Oh là. Où il est mon fil? Sur nos 12 mailles serrées. D'accord? Donc une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Ensuite, pour le rang 21, on va travailler uniquement dans le brin arrière, donc les 12 mailles serrées, mais uniquement dans le brin arrière, comme tout à l'heure pour la robe et pour le col, d'accord? Donc voilà, on a terminé le rang 21. Ensuite, pour les rangs 22 et 23, on travaille normalement sur les 12 mailles serrées. Donc là, on reprend bien les deux brins de la maille comme on fait d'habitude, d'accord? Donc je vous laisse faire les deux rangs, on se retrouve juste après. Donc voilà, on est à la fin du rang 23 et pour terminer le bras, avec le rang 24, on va tout simplement faire 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on termine par la maille coulée dans la première maille. Voilà. Donc là, on va couper un petit peu de fil. Pas besoin d'en couper beaucoup, ce sera juste pour fermer le trou. Voilà, donc on va prendre notre aiguille. Et on va fermer le trou en passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. 1, 2, 3. 4, 5 et 6. On resserre. On fait le petit nœud d'arrêt. Et on passe le fil dans l'ouvrage. On coupe le reste de fil. Voilà, donc là maintenant on va faire, moi ce que j'appelle le petit ourlet de manche là, enfin la petite manche quoi. Donc alors là du coup on va travailler sur le brin avant du rang 21. Donc on pique le crochet dans la première maille et puis on va faire comme on a fait pour la robe et pour
pour le col. Donc on commence par deux mailles en l'air qui équivalent toujours donc à la première bride. On fait une même, enfin on fait une bride dans la même maille, d'accord? Donc là, hop, on a fait notre augmentation de bride et on va faire une augmentation de bride dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc quand vous aurez terminé vos augmentations de bride, vous aurez 24 brides au total. Une fois que vous avez terminé, vous faites une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du départ. Vous coupez le fil, vous rentrez les fils. D'accord? Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve juste après. Donc là, du coup, c'est bon, les deux bras sont faits. Donc maintenant, on va les positionner sur le corps. Donc alors, on retrousse bien son petit col. Donc ici, on a les petits points de finition ici. Donc ça, on va le mettre plutôt du côté du corps. En fait, quand on fait des amigurumi comme ça, on essaye au maximum de cacher un petit peu les imperfections qu'on peut avoir sur les parties du corps qu'on fait. Hop. Donc de l'autre côté. Et voilà. Donc là, elles sont bien positionnées. Donc du coup, on fait les coutures articulées pour les bras du petit lapin. D'accord? Donc alors, je vais vous mettre la petite fiche, le petit pop-up qui va s'afficher en haut à droite de votre écran pour le tuto des coutures articulées. D'accord? Donc si vous ne savez pas faire, vous pouvez aller cliquer directement sur cette vidéo, sur ce petit point-là qui va vous mener directement à la vidéo de la couture articulée. D'accord? Donc je vous laisse faire la petite couture tranquillement. On se retrouve pour faire la dernière partie, les chaussures. Alors c'est parti pour les chaussures. Alors du coup, c'est dans quel sens? C'est dans ce sens-là. Donc les chaussures, on va faire du pas à pas puisqu'on va travailler autour de la chaînette. Donc on va commencer par faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet, 1, 2, on va faire 4 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4. Dans la dernière maille, on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et maintenant, on va travailler de l'autre côté de la chaînette. Donc là, on va faire 3 mailles serrées à suivre. Donc on bloque bien le fil en même temps. 1, 2, 3. Et on termine par l'augmentation dans la dernière maille. Donc augmentation, les deux mailles serrées dans la même maille. Hein. Donc à la fin du premier rang, on a 12 mailles serrées. Pour le deuxième rang, dans la première maille, on fait une augmentation. Hop. Ensuite, on fait 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. On va faire 3 augmentations à suivre. Première augmentation. Deuxième augmentation. Et troisième augmentation. 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et on termine par 2 augmentations à suivre. Première augmentation et deuxième augmentation. Donc à la fin du deuxième rang, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 3, dans la première maille, on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation. Ensuite, on repart pour 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3.
trois fois à suivre, on va faire une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Donc maille serrée, augmentation dans la maille suivante, ça fait une fois. Maille serrée, augmentation dans la maille suivante, ça fait deux fois. Maille serrée, augmentation dans la maille suivante, ça fait trois fois. On repart pour trois mailles serrées à suivre. Une, deux, trois. Et on termine le rang en faisant deux fois au total une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Augmentation, donc ça fait une fois, une maille serrée, une augmentation dans la dernière maille. Donc à la fin du troisième rang, on a 24 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 2 mailles serrées à suivre. Donc une, hop là, j'ai coincé mon crochet. Bah alors, donc une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. 3 mailles serrées à suivre. Une, deux, trois. Trois fois au total, on va faire deux mailles serrées à suivre, une augmentation. Une maille serrée, deux mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. Ça fait une fois. Une maille serrée, deux mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. Ça fait deux fois. Une maille serrée, deux mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 3 fois. On repart pour 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et pour terminer, on va faire 2 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. Donc là, 2 mailles serrées à suivre. Une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée. 2 mailles serrées à suivre. Et on termine par une augmentation dans la dernière maille. Si vous trouvez que je vais trop vite, n'hésitez pas à changer la vitesse de lecture. Je le répète à chaque fois, hein, mais c'est pas grave. Changez la vitesse de lecture dans les paramètres de la vidéo. D'accord? Ensuite, pour le rang 5, le dernier rang de pas à pas, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante. 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. 3 fois au total, on va faire 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. Ça fait une fois. 1, 2, 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. Ça fait deux fois. 1, 2, 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante, ça fait, hop là, ça fait 3 fois. On repart pour 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et on termine le rang en faisant 2 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 2, 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante, une fois. 1, 2, 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la dernière maille. Donc à la fin du rang 5, on a 36 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 6, 7 et 8, on travaille normalement sur les 36 mailles serrées. Plus d'augmentation, on travaille tout droit, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 6 au rang 8 et on se retrouve juste après pour continuer la chaussure ensemble. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 8. Le rang 9, on va faire 12 mailles serrées à suivre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, on va faire 6 diminutions à suivre. 1,
2, 3, 4, 5, 6 et on termine par les 12 mailles serrées restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc à la fin du rang 9, on a 30 mailles serrées. Le rang 10, on va faire 9 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 mailles, excusez-moi, 6 diminutions à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on termine par les 9 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc à la fin du rang 10, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 11, on va travailler le rang de finition. On va le faire au point d'écrevisse. D'accord ? Donc j'avais déjà fait un tuto pour montrer le point d'écrevisse, mais du coup je vais vous le remontrer directement maintenant. Donc alors le point d'écrevisse, on va travailler de gauche à droite. Parce que d'habitude on travaille de droite à gauche. Donc là on va travailler de gauche à droite en commençant par faire une maille en l'air. Ensuite, on va venir piquer le crochet, comme ceci, de l'avant vers l'arrière, et on fait une maille serrée. La maille d'à côté, de l'avant vers l'arrière, une maille serrée. La maille d'à côté, je vais essayer de montrer au mieux. On pique la maille, donc d'avant en arrière. Et on fait une maille serrée. La maille d'à côté, d'avant en arrière, la maille serrée. Donc vous voyez, ça fait comme des petits tortillons comme ça. D'accord? Donc vous faites ça tout le long du rang et on se retrouve juste après. Donc là, je termine mon dernier point d'écrevisse. Hop, et je vais venir faire une maille coulée dans la maille en l'air du départ. Voilà. Donc on coupe juste le fil. Voilà. Et on resserre. On rentre notre petit morceau de fil. Voilà, et on coupe le reste de fil. Et voilà, donc hop, et ça, vous faites la deuxième à l'identique. Et puis ben, maintenant, on a terminé, donc il ne nous reste plus qu'à chausser notre petite lapine. La deuxième. Hop, et voilà. La petite lapine en robe est terminée avec ses jolies petites chaussures. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.